Salut à tous mes petits trolls, c'est AgentGB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude, mais en tout cas ça va super. Enfin ça va super, on va voir comment je serai après la vidéo. Vous avez été énormément à réclamer une suite pour les pires plagiats de Minecraft, et aujourd'hui on va voir une application FPS en mode plagiat de Minecraft, mais ça a l'air dégueulasse. Le jeu s'appelle Crafted Battle, du coup c'est parti, je lance l'appli. Alors déjà ça va pas se retourner, si c'est bon. Alors, what the fuck, ok d'accord, j'ai pas touché au jeu hein, là jusque là, je viens juste de le télécharger. Ok d'accord, donc rien que le menu ça bug, très bien. Est-ce que vous avez déjà vu un menu de jeu aussi immonde? Oh mon dieu, je sens qu'on va pleurer. Alors du coup voilà, je vais choisir mon arme, bah du coup on va prendre allez, une petite calache. Et d'accord, donc là nous avons... What the fuck? Et je dois tirer comme ça là? Boum boum boum. Bot 4 killed. D'accord, et... Ah d'accord, en fait, ok, c'est un... What the fuck? What? What the fuck? Ok, c'est un FPS, mais... What? Attends, là tu recherches, tu fais quoi frère là? Non, mais attends, mais gros! Attends, mais laissez-moi... What? Attention, l'amusement est à son comble! Mais comment se peut faire que... Putain, j'aime bien parce que les mecs, ils ne peuvent pas tirer, ils doivent pivoter, se tourner vers toi et ensuite ils te tirent dessus. Oh mon dieu. D'accord, donc là j'ai l'impression qu'on peut faire un vieux spawn kill de merde en fait. En fait, si t'as pas envie de te faire tirer... Oh, putain, le mec il tire en rafale, il a aucune pression. Hey, oh, laisse-moi recharger, laisse-moi recharger. Ouais, c'est bon, je l'ai eu, tranquille. Hop, toi aussi je t'ai. En fait, c'est ça en fait, faut que tu strafes et puis les mecs ils te toucheront jamais en fait parce que les bots sont complètement cons. Et genre là, hop là, esquive et hop là. Allez! Damn, it feels good to be a gangster. A real gangsta ass nigga plays his cards right. Alors il y a un multijoueur. Alors voyons voir s'il y a des joueurs, des gens qui jouent à ce jeu. On va voir ça tout de suite. Ok, très bien les personnes. Ils espéraient sérieusement avoir du succès avec cette appli, quoi. Enfin, ils sont quand même dit, on va quand même payer 1 500 € pour le sortir sur l'Apple Store. Le succès sera au rendez-vous. Est-ce que la map est infinie? Les Français ont le droit de savoir. Oui. Oh, c'est trop stylé, on dirait vraiment genre une map Minecraft vue du dessous, quoi. Attends. What the fuck? Là, je suis sur un menu. Il propose d'acheter une appli 1,99€. Regardez-moi bien ces screens-là. Ce sont exactement les mêmes que l'appli que je viens d'acheter et qu'on va tester tout de suite, qui est cette appli-là. C'est les mêmes screens pour 1€ moins cher. Ah oui, c'est les mêmes devs. Putain, ils se sont pas fait chier. Waouh, le menu classe avec un beau skin Minecraft. Non, pas du tout. Non. Ah, on peut acheter de l'or si ça nous manque. Tiens, c'est combien? Oh ben voyons. T'as raison. Puis ça, on va... Oh mon dieu, c'est dégueulasse. Ah, et ça lag. Oh mon dieu! Je suis à 2 FPS! Ah! Oh, j'ai mal à mon portefeuille, les amis. Oh, j'ai mal à mon portefeuille. Mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est immonde! Regardez-moi ce vieux gif de lingot d'or à gauche de l'écran. Jump, shoot. Ah, mon dieu! Eh, hey, il avait 3 étoiles quand même. Hein. Je me suis dit, ouais, allez, 3 étoiles quand même. Il doit pas être dégueu à ce point-là, mais. C'est pire que le premier, quoi. Là, c'est. Oh mon dieu, des vieux blocs de netherrack posés, là c'est... Ah là c'est des blocs de redstone, des textures de... Ah mon dieu, mais c'est immonde. Ah, ces animations. Puis le viseur, regardez, le viseur il bouge tout seul. Le viseur, je lui dis d'aller à gauche, il fait des gauche-droite. Et là c'est pour acheter des gold j'imagine. Ouais voilà, putain regardez-moi ça quoi. Je m'en bats les couilles, je veux pas acheter tes merdes, non, je veux revenir au jeu, c'est bon, laisse-moi tranquille. Le mec il va me faire... Mais attends, mais t'es sérieux là? Arrête de tirer, je veux juste te déplacer l'écran. Là c'est pas ma caméra qui bug, hein. Je suis réellement à 2 FPS. Alors là, pour ce qui est de faire des animations à 200 FPS, y'a pas de souci, hein. Mais pour ce qui est de faire un truc propre, laisse tomber. On va voir le temple de Notch, puisque c'est ce qu'ils vendent sur leur application quand même. On va voir si ça c'est bien fait. Toujours les 2 FPS du défamille avec le petit gif de gold. Oh mon dieu. Mais c'est du frame par frame, enfin, c'est de l'image par image, regardez. C'est un plagiat 100% complet de Minecraft, texture par texture. Mais on dirait que genre quand je bouge, c'est comme un cinéma, c'est genre plusieurs images qui s'enchaînent. Leur dit, faut que tu mettes cette image, machin. Allez, les larmes de la peur, on va voir, le troisième niveau. C'est là, sur ce screen qu'il y avait plein de zombies. Attends, mais je fais quelle taille là? J'ai les pieds dans le sol ou quoi? Je suis bugué? Ah mon dieu! Vous êtes des ennemis? Excellent! Mais regardez-moi cette 3D. Regardez-moi comment la 3D réussit. C'est juste des mecs qui courent vers toi, une animation qui grossit. C'est... What the fuck? Ok, mais d'accord, mais je veux me défendre, je veux tirer
Comment je tire? Il y avait le bouton shoot avant. On va essayer de le relancer. Hein. Ah là voilà, les boutons sont apparus, c'est la magie, c'est la magie de l'amour. Et en plus, les textures maintenant sont plus claires, genre avant c'était la nuit, maintenant c'est le jour. Bah, boum, 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 allez, mourrez tous, là, mourrez tous. Ah, voilà, my frag c'est zéro, mais je viens d'en buter un, il s'est étroulé devant moi. Je ne partirai pas d'ici tant que j'aurai pas checké que le bouton my frag marche bien. Mais allez, je lui fais des putains de headshots. Comment je peux le louper? Je suis en train de... Ah, voilà. Ah bah là, il est mort. Mais il s'est écroulé et j'ai toujours zéro. Et là, il me met un. Oh là 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 les amis, mais le niveau de foutage de gueule est absolument épique. Et bah du coup c'est parti, on achète l'autre à 1,99€. Putain, je vais tellement le regretter. Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi j'ai fait ça? Il y avait vraiment besoin de tester cette appli pour savoir que l'autre est de toute façon pourri. Mais c'est exactement le même menu. Single player, y a pas de carte. Genre What? On peut customiser son skin. Bah c'est très bien, bah je veux le passer geek. Oh 2500 gold. Et c'est combien 2500 gold? C'est 3 euros. 3, même 4 euros. 4 putains d'euros pour customiser avec un skin de merde. Que de toute façon tu ne vois pas puisque tu vois juste l'arme. Attends, mais et genre les trucs 5000 pour... Mais what? Ça a été fait par le petit frère du dev qui a même pas 5 ans. Alors les armes, oh là là, bah oui t'as raison. Oh 15000 gold, bah oui t'as raison. Et bah du coup on va en acheter. T'as vraiment cru que j'allais en acheter? T'as vraiment cru que j'allais... Bon, par contre j'aimerais bien jouer du coup. Je ne peux pas jouer. Il n'y a pas de carte. Est-ce que vous êtes... Oh c'est pas vrai. J'achète un jeu pour le double du prix du précédent et il n'y a pas de jeu. Est-ce que cette animation vient de ce... What? Est-ce que l'animation est réellement buggée lorsqu'on change de... Oh mon dieu. Mais je ne peux pas jouer. Ce jeu m'a coûté 2 boules et je ne me peux même pas y jouer. Je ne peux pas jouer. Je ne peux pas jouer. Ah là, pour acheter du gold, ils sont là, hein. Mais pour jouer, il n'y a plus personne. Bon bah du coup, voilà les amis, c'est tout pour ces tests de ces 3 applis. Mais j'ai jamais autant regretté un achat de toute ma vie, je crois. J'espère que la vidéo quand même t'a plu. Si c'est le cas, bah n'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu de la désespérance pour le pauvre GB qui s'est fait avoir une fois de plus. Mais bon, c'est pour vous faire marrer, donc c'est le principal. Moi, je me suis quand même marré à tester ces applications pour voir à tel point c'est pourri. Bref, du coup, voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. Passez une excellente journée. High five. D'ailleurs, est-ce que tu connais monsieur Timissin? Si tu étais un Pokémon, je te choisirais. Ouh, il est creepy, il est creepy. Non. C'est un bon ami de ta mère. Il vit à côté de la route 16. Et il a...